Messieurs, dames, bonjour à tous et à toutes. Je suis Arlus et bienvenue pour un petit fun game. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas trouvé un qui était sympa. Et donc, après avoir cherché sur Game Jolt un petit moment, je suis tombé sur un petit fun game de Contra tout mignon, tout simple. Continue Philly Under Fire. Qui reprend l'aspect Contra de A à Z d'ailleurs. Vous voyez, même l'introduction est interactive. Et même l'écran de Continue est inspiré de énormément de jeux NES de l'époque. Et si je fais rien, je sais pas ce que ça peut faire, si ce n'est afficher un peu plus vite l'écran titre. Alors, Phil Under Fire, qu'est-ce que c'est? C'est un petit hommage à Contra, d'ailleurs, traduction. Et bienvenue dans Continue, je suis Paul, et moi c'est Nick. Josh, allez Josh, tu n'as pas suivi le protocole. On peut faire ce show sans toi Josh. Mais je serais sympa maintenant. De toute façon aujourd'hui on va jouer à Contra. Mais mec, Contra c'est de la merde. Ah ouais. Je me souviens de ce jeu quand j'étais enfant. J'utilisais le... Oh mon dieu, mais que se passe-t-il là? Les gars, désolé l'attaque finale. Ah, c'est l'heure de la revanche. Attaquons agressivement. Voilà. L'introduction est pompée sur Contra. On a le choix entre trois personnages. Ça ne va rien changer au jeu. Si ce n'est que le jeu est très fun, la musique est sympa. On va prendre le Josh, tiens. Les touches sont simples. A et B. On a 5 continues. Enfin, 5 vies et 3 continues. Je martèle B pour attaquer. Je peux sauter. Et je peux me balader dans 8 directions. Vous avez le topo du jeu, vous avez les contrôles, c'est parti. Et évidemment, tout est très fortement inspiré de Contra avec le beam, le spread gun, il y a aussi le homing et le lance-flamme. Je vais rester sur le spread gun parce que c'est l'arme la plus efficace du jeu. Et évidemment, comme dans Contra, lorsque l'on meurt, on perd son arme. En ce qui concerne les boss, il y en a 3 dans ce petit fan game. Qui est pas très très long, il doit faire à tout casser. Allez, 15-20 minutes si on joue bien. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est l'entièreté du jeu. Ah, j'ai chopé les grenades, je suis trop con. J'ai chopé les grenades. Premier boss. Qui est une tour avec un insecte. Sauf que cette tour va nous lancer des lasers. Et lui peut nous balancer des armes. Et à chaque fois que tu es un boss, ça m'a fait énormément rire. Vous avez une petite phrase. Alors, la grenade, c'est cool, mais ça m'ennuie un peu. J'essaie de retrouver une arme un peu meilleure, s'il vous plaît. Le X, c'est quoi? C'est une référence à Megaman. Ok. Par contre, si tu pouvais... Ouais, toi... On retrouve, vous le voyez, tous les ennemis types de Contra, ceux qui sont cash, ceux qui lancent des grenades, des ennemis volants, et même des petites surprises dans ces trous. Le jeu est pas difficile en vrai. Si on veut être vraiment clair et réaliste, le jeu est pas trop dur. Au bout d'un moment, on comprend le jeu. Ah, la flamme, parfait. Ça, c'est l'arme qu'il me faut pour cette partie du jeu. Deuxième boss. Qui va être une saleté de papillon. Et vous le voyez derrière, une petite référence. Toujours à Contra. Et je suis mort, saleté. Toujours à Contra, la référence, c'est les aliens. Évidemment, là où arrivent les bébés aliens. Bon. J'ai eu de la chance, j'ai mis énormément de dégâts au lance-flamme. J'ai pas eu à m'inquiéter plus que ça.
le homing, qui est une arme que j'adore. Si tu pouvais te montrer toi, voilà. Le homing, je rappelle, ça choisit l'ennemi le plus proche. Et c'est très bien. On va arriver dans la partie du jeu par contre que je déteste un peu. Voilà, pour ça, parce qu'il est un petit peu compliqué à cause de ses ennemis. Alors le homing, ça met peu de dégâts. C'est le seul petit problème que j'ai. Je te demande, j'aime pas ces ennemis. Voilà, le homing, ça met vraiment aucun dégât, donc autant revenir sur une arme de base. Voilà. Pour vous dire à quel point le homing c'est nul, là j'ai mis un coup, enfin il m'a mis un seul coup alors qu'avec le homing il mettait 4-5 coups. Et on va arriver au dernier boss qui est un petit peu plus compliqué. Mais vu que j'ai le split gun et que je connais son pattern, parce qu'évidemment j'ai fait une partie avant. Alors celui-là il fait tout, il lance des lasers, il lance de l'acide, il lance des flammes, il a tout. Phase 1, alors si je touche évidemment les tours qui sont à côté, vous comprenez que je décède. Et j'aimerais éviter. Ok, phase 1 terminée, la phase 2. Alors la phase 2 un peu compliquée. D'abord détruire les tours, histoire d'être tranquille. Ça se voit pas mais je suis en train de marteler mon bouton B. Voilà, ça c'est fait. Attention. Et là, il n'y a plus qu'à marteler. On se met sur un safe spot. Merde. Ah oui, je vais devoir tout faire avec l'arme de base. Oh, ça va être long. La musique est très très bonne. Ça, c'est un point que je trouve admirable. Pour un fan game en plus. Si jamais vous voulez jouer à ce petit jeu, il y a le lien Game Jolt en description. Phase 2 terminée. La phase 3 maintenant. Alors la phase 3 où il a 3 patterns. Il a ce pattern là où il se protège avec des boules noires. La phase 2 où il est quasiment invincible et il rebondit. On peut quand même le toucher. Et la phase 3 où il me jette des boules. Ah, est-ce que j'ai chopé le bon pattern ? Incroyable. Et voilà. Bon bah le jeu est terminé en 10 minutes. Mais le jeu est très cool. Ouais. On les a tous cassé le cul. Yeah. Bah voilà. Et c'est parfait. C'était un petit jeu, c'était une petite vidéo comme ça, j'espère que ça vous aura plu. Continue Fire in Philadelphia, c'est tout en description pour y jouer. Je vous le conseille fortement, ça dure 10 minutes mais c'est fun. Je vous laisse avec les crédits, merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce qui sort tous les mercredis à 15h30, de me suivre sur Twitter et Instagram, de liker la vidéo. Si vous avez un fun game qui est bien, merci de le mettre en commentaire ou de me le proposer d'une manière ou d'une autre. Des bisous, bon jeu et à la prochaine pour un autre fun game.